shmup. Ça sent le shmup aujourd'hui. C'est bien ça. Bienvenue, tu l'entends derrière, il est déjà excité, il veut qu'on fonce l'essayer, ce shmup de 1991 ou 92, je sais plus exactement, à une année près, vous m'en voudrez pas trop. Et de quoi parle-je? Eh ben, parle-je de Gunnel. Gunnel, à ne pas confondre avec Quenelle, ni avec Gunned. Gunned qui est un shmup légendaire qu'on finira par faire si j'arrive à mettre la main dessus. Parce qu'il y a des jeux qui sont quand même très très compliqués à attraper. Et c'est vrai que ça me fait penser que le devoir d'archivage, quand même, c'est quelque chose d'important, parce que ce serait bête de laisser disparaître ces petites pépites. Et donc, aujourd'hui, on n'est pas dans le Gunhead, on va aller dans le Gunnel, et vu comme il nous appelle, bah, c'est pas la peine de tourner autour du pot, surtout que le jeu a l'air pas mal excitant. J'ai jamais eu l'opportunité d'essayer, mais il y a moyen que ça se passe. Comment dirais-je? Bien! Ah, il y a du monde à l'écran, c'est joli, c'est fluide, c'est rapide, c'est smooth, il y a une fréquence d'affichage tonitruante. Oui, car Tony est un truand, c'est bien connu. Et sa femme s'appelle Tony aussi, et c'est une truante. Alors, une petite chose à laquelle j'ai pas fait vraiment gaffe, il y a une quantité assez hallucinante aussi de bonus. Ça veut dire que le jeu n'a pas l'intention de laisser le joueur à poil, comme on dit couramment, qu'il va être tout le temps bien équipé, ce qui est quand même pas de très bon augure pour imaginer ce que les boss vont vous balancer dans la figure. 1993. Je mettais les gouttes pour être 2 ans, j'aurai un gage à la fin du stream. Donc revoyons l'action au ralenti avant de foncer dedans. Alors on a ces petits modules latéraux, je sais pas si on peut les diriger un peu, c'est-à-dire concentrer le tir, ou les garder en mode écarté comme ça. En tout cas c'est très souple, c'est très vif, c'est très joli, c'est assez magnifique pour un jeu de la génération 8-16 bits. 16-32 bits, pardon. Oui, bah... De toute façon, c'est pas le nombre de bits qui compte, hein, c'est bien connu. Comment ça, j'en profite pour caser des conneries? Pas du tout, regardez. Allez. Ready? Go! Alors, piou piou piou, piou piou piou, normal, des shields. Bah, semi-vie, quoi. Ça, c'est les bonus. Le power, ok, c'est ça. Est-ce que je peux y bouger? Apparemment les modules font leur petite vie, hein. Ou alors j'ai pas compris. Après j'ai des bonus de couleur pour choisir certains types de tirs. Il y en aura des très spread et non, il y en aura des très concentrés je pense. Oui, je focus parce que j'aimerais pas gâcher la qualité du jeu en jouant dessus comme une buse. Alors je peux pas orienter mes modules, c'est bizarre. Oh. Je l'embrouille. Ça a bombé. Si j'ai une bombe, je ne sais même pas si j'en ai une. T'es en train de devenir un petit peu long, Maurice. Le jeu est vraiment super agréable, quoi. Bah, c'est simple, de toute façon dans les streams vous êtes habitués maintenant, vous ne m'entendez pas parler, c'est que le jeu, eh bien, ça fait partie des indices maintenant. Donc il va y avoir une jauge étalon pour permettre d'évaluer les shmups dans TBG, c'est la jauge silence de Monsieur K. Si Monsieur K ne commande plus, c'est que le jeu est bien.
J'ai toujours pas essayé d'autres boutons pour voir si j'avais une bombasse. Et c'est maintenant... Oui, bah j'ai une bombasse, c'est la bonne nouvelle. Par contre, ça commence à arroser en face, hein. Ça me laisse pas augurer des choses bonnes pour... Oh, le prochain niveau. Où je sens que... Non, ça c'est dégueulasse ce que t'as fait hier. C'est parfaitement dégueulasse, tu ne refais plus jamais ça. Ah, j'ai déjà mes shields qui sont tout en bas. Encore une touchette et je suis carpette. Pas d'autres boutons, alors c'est bizarre qu'on puisse pas ajuster ces modules pour les mettre en... Moi j'aurais imaginé qu'on puisse les mettre en plus concentré. Alors ce boss me dit quelque chose. Mais quel dieu. Ok oui. On te remet pas de sous pour ramasser ton bonus. Ah putain, il me l'a fait refiler du coup. C'est moche ce qui m'arrive. Tout ça pour ramasser le bonus. Je me fais quicher là. Je suis plus dedans. Je voudrais bien le power. Le power, s'il vous plaît. Merci. Oups, te fais pas toucher, c'est pas le moment. Oh, purée de nouilles. Récupère ton pouvoir. Ah! Alors c'est rigolo parce que la typo me semble être celle qui est également utilisée sur Pulstar. Allez savoir si c'est pas le même studio qui a développé ça. Je voudrais bien de la santé, de la life, de quoi remonter mes shields, n'importe quoi, anything. Non, je ne peux pas. C'est vache. Ah, c'est quoi qui est passé à fond la caisse? C'était un bonus? Ça se trouve c'était le bonus pour pouvoir remonter mes shields. Ça doit être ça. Non, même pas. Je suis dégoût, je suis tralala, je suis... Pas le ding-ding-dong, mais on en est plus très loin. Lui, il va me faire une gueule là. Il va tirer avant même que... à bout portant, voilà. Et alors là, le petit nerveux. Okay. Alors le jeu est speed. Hein. C'est vraiment agréable pour ça. Vous êtes dans le mode shooter où le cerveau, on le met derrière les réflexes, bien loin derrière. Vous aurez davantage besoin de réflexes que de cerveau. Oh là là, c'est quoi cette profusion de bonus? C'est pas bon. Time up. Il y a un temps pour dégommer les boss. J'en apprends tous les jours. Elle est super bien trouvée, cette alarme stressante, parce qu'elle fait vraiment son office, quoi. Le jeu est très risqué si on commence à s'amuser à vouloir récolter les bonus pour scorer vraiment, quoi. Oh la vache! Oui, 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 oui. C'est une grosse vache. C'était tendu, hein. Non, je ne cesse plus de tirer. C'est hors de question que je m'arrête. Je vais avoir toutes les misères du monde, je sens, d'un seul coup sur ma tronche. Et ça va pas être très très joli. Oh là là, ça vient de tous les côtés. Not from. Et voilà, le dicton. Aucun respect pour les dictons. Envoie ton boss. Vas-y, envoie ton boss. Je suis prêt, je suis chaud. Comme une baraque à frites, comme dit la team betterave. Mais oui, je disais donc, le gars qui veut scorer là-dessus en ramassant les bonus... Je lui souhaite vraiment du courage parce que c'est placé à chaque fois sur un tir qui va pas tarder à arriver. Et du coup vous êtes obligé de prendre un max de risques pour... oh là là, j'ai fait de la merde là. Vous êtes obligé de prendre un max de risques pour, en plus d'esquiver les tirs
et des vaisseaux qui sont relativement vifs, essayer de choper du bonus. Ouh là là, qu'est-ce qu'il va mettre? Ouh, je te sens pas, toi. Oui, c'est le début, là, t'es sympa. Oui, j'ai toujours mon petit système du glissé. Hein. Ah, ça ne suffira pas. Je me suis fait quicher par derrière. Tiens, un cadeau. On est vraiment copains. On se fait vraiment beaucoup de cadeaux, c'est important. Aïe, 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 ça va mal se passer. Oui, j'y vais à la gros lâche, mais ne connaissant pas le titre, je peux pas me permettre d'improviser sur un boss qui risque de changer de pattern et de m'en mettre vraiment plein la figure. On va y arriver. Oh, c'est magnifique, ça. Immortel et magnifique. Je n'en demandais pas tant. J'ai pas le temps de vous bomber, les gars. Alors, je n'arrête pas d'insérer des crédits. Hein. C'est moche. Quand on connaît pas un jeu, il y a des moments où c'est très dur. Parce qu'il y a un minimum de connaissances à avoir, ne serait-ce que sur les ennemis. Et c'est vrai que la première confrontation avec un ennemi qu'on n'a jamais vu, en général, dans un shmup, c'est assez douloureux. C'est bien souvent la seule partie de mémorisation vraiment importante qu'on doit avoir. Contrairement aux shmups horizontaux! Je vais te calmer, toi. Non? Putain, il a pas envie. Qu'est-ce que c'est que cette blague au fond? Il y a une blague au fond. Ça fait comme si un morpion me remontait le long de la jambe. Comment ça, l'exemple n'est pas très très judicieux? Hop, 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 hop. Alors, 4 bombes en stock, je pense qu'il va se les prendre. Je vais pas trop lui laisser le temps de s'exprimer, je pense. Oh, c'est quand même très joli. Je me suis quiché encore. Quel laideur. Alors pour ramasser les bonus, on a le problème, le syndrome Raiden, on va l'appeler. C'est-à-dire, vous êtes obligé de prendre un max de risques pour récupérer les bonus. Parce que le gars en face vous fait pas de cadeau, il a ses séquences de tir et il s'arrêtera pas. Quoi. Il est pas là pour rigoler. Non, moi non plus, je m'arrête plus de tirer. Ah, il y en a encore qui arrivent. On va se laisser aller jusqu'au game over. Je voudrais pas vous montrer trop du jeu. Ce sera à vous de le mériter et de le découvrir, puisque oui, vous l'aurez compris, ce jeu est sélectionné, il est dans le top. Un truc comme ça, à son époque, c'était plaisant. Et cerise sur le gâteau, bah, aujourd'hui, c'est encore très plaisant à jouer, quoi. Le jeu n'est pas simple. Mais on n'est pas là pour jouer à Super Mario, quoi. Donc du coup, je pense qu'en faisant quelques runs dessus, il y a moyen de vraiment s'éclater et que les niveaux suivants, je sais pas s'il en reste beaucoup, promettent d'assez grosses choses que je préfère ne pas voir aujourd'hui. Eh ben, Gunnel, tu sais quoi? Tu es dans le top des jeux. Bravo à toi. C'est une grande joie. Un jeu essayé et je pense qu'il a dû être adapté sur pas mal de consoles. Pas sur micro, il me semble. Si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, je pense que vous allez passer un sacré moment. Je vous laisse avec les deux playlists habituelles, le bouton d'abonnement et je m'enfuis comme je suis venu. Ciao.